like me. Oh, he's only, only one I see. Alexandra Duvivier, bonjour Alexandra. La magicienne et illusionniste Alexandra Duvivier. Alexandra Duvivier. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y, alors montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Petite tortue, où habites-tu? As-tu de la place dans ta carapace? Petite tortue, m'inviteras-tu? Dis-moi comment c'est chez toi. Il faut trouver que le corbeau, je regrette, il croit ce que je lui dis. Il faut qu'il croit qu'il est beau et qu'il a une belle voix, c'est tout. Alors moi, je n'ai qu'une solution. Ah oui, la transgression immédiate. Je mets Pénélope Cruz sur la branche. «
Les années passent, les générations changent. À l'époque nous on jouait en passe. Aujourd'hui même entre potos ça échange. Je me rappelle même le goûter sur le terrain. Foot on partageait. Que tu sois blanc ou noir, rien à foutre. Seul l'amitié comptait. À la base on a tous pris la même route. Avec les années certains ont bifurqué. Ouais, parfaitement, ouais. Je t'ai vu de loin, j'étais pas sûre que c'était toi. T'as pas mal changé. Écoute, ouais, c'est moi. Oh, ça fait tellement longtemps. Mais c'est génial, t'es mariée alors? Oui, depuis 10 ans. Et j'ai deux petits garçons. Et toi? Moi, j'ai une Renault Mégane gris métallisé. Ouais. J'ai pris des cours de chant, hein. Ouais. Ouais, j'étais qu'à mon premier cours, oui. En même temps, c'est pas ma faute, je m'en rappelle, je suis arrivé là-bas, j'arrive devant mon professeur de chant, et je me mets à chanter. Et là, mon prof de chant me dit... Vous avez une voix trop aiguë. Je dis, c'est grave? Il me dit, bien, disons que si l'aiguë s'aggravait, ça serait ambigu. L'Express d'Orient se doit d'offrir le meilleur service à ses passagers. Le calme. J'ai mis deux tours de clé. Et vous n'entrerez pas. La guerre vient de commencer. Nous devons rester un havre de paix.